Voilà qui est fait pour le coup d'envoi de cette 9e journée de Pro D2 ici à La Rochelle. Coup d'envoi tapé par Hugo Reus, c'est une bonne réception côté Perpignan. C'est le jaune qui y va. Un premier ballon pour Degmash. Prend son temps, sortie de balle lente. Ballon en dehors des 22 mètres pour Sobella. Bien plaqué. Ça a permis à Degmash d'ouvrir l'angle pour se dégager. Voilà qui est fait par le demi de mêlée catalan. À la réception, Tanga qui manque ce ballon, mais toujours dans les mains rochelaises. Avec Idoumi maintenant. Yari Barren, numéro 9, pour jouer derrière avec du lin. Qui envoie ce coup de pied. Bien envoyé maintenant, bonne couverture de Brice Dulin. Arrière international français qui rejoue à nouveau au pied. C'est le joueur de La Rochelle qui use le plus du pied, Brice Dulin, qui gagne le plus de mètres avec cette palette de son jeu. Et maintenant Noël pour relancer l'ailier anglais. Il est plaqué sur la ligne médiane. Greus qui crochette, il revient intérieur, il est pris finalement. Yari Barren par-dessus le coup de pied profond et la bonne couverture de Thomas Wallan. McIntyre maintenant tape bien loin dans les bras de Dulin finalement qui tente une relance cette fois-ci mais tout de suite la porte s'est refermée. Yari Barren avec Piquet, Rémi Piquet qui fête son 50e match avec La Rochelle aujourd'hui. Qui est arrivé en 2021, Rémi Piquet, qui a joué à Lille, à Vannes. Et pour l'instant, il a participé à tous les matchs de la saison pour le Stade Rochelais. Et donc sa 50e apparition sous le maillot jaune et noir aujourd'hui. On voit ce plaquage de Tulagi. Et en avant, qui a été sifflé par Monsieur Rousselet. La première mêlée du match. Bientôt se jouer. Introduction pour Yari Barren. Voilà, la solide première ligne rochelaise qui va pouvoir se mettre en action. Sclavi, Idoumi, Antonio. Mêlée qui tourne, mais le ballon est jouable. Sorti par Paul Boudéan. Qui navigue un peu dans la défense. Il est repris finalement. Yari Barren, sorti rapide. Reus, le coup de pied rasant dans le dos de la défense. C'est bien couvert par Crosdale. Ballon sorti pour Sobella. Il est refoulé, le troisième ligne. Degmash, il va prendre le temps de sortir proprement ce ballon. Avec McIntyre. Il va trouver une touche à peu près à 30 mètres. Et le premier lancé à venir pour le talonneur Sacha Idoumi. Alignement complet du côté rochelais. Et c'est Skelton qui est choisi, mais le ballon volé par l'alignement de Perpignan. Un ballon de récupération de contre. Il y en a qui sortent de leur camp, qui ne vont pas se dégager, qui vont jouer ce ballon jusqu'au bout avec McIntyre. Maintenant Alan qui pousse au pied. Adulin en couverture. Il est chassé par Crosdale et Alan. Et puis on se met à Noël. Noël qui va relancer. Il a du champ devant lui. Il est lié anglais. Il trouve de l'espace avant d'être finalement repris. Yari Barren pour Idoumi en percussion. Ballon lent. Reus qui va venir retrouver c'est avant Antonio en pivot. Attaque bien stoppée par les Perpignanais. Yari Barren qui va jouer dans le dos, mais ce coup de pied mal ajusté qui va sortir directement en touche. Ici, s'il vous plaît. Gardez la marque, gardez la marque. Et ce sera donc un ballon rendu à Perpignan.
C'est lancé pour Ruiz. Talonneur, jeune talonneur international argentin. Et la bonne prise de balle. Maintenant, on va pouvoir écarter derrière avec Oviedo. Degmash qui retrouve Ruiz. Degmash encore, McIntyre dans le dos pour Veredamou. Alan maintenant, pas de surnombre. Il est pris finalement. Degmash qui inverse avec Tulagi. Pris tout de suite. Il faut éviter de lui laisser prendre de l'élan. McIntyre avec Ceccarelli. Et le trou peut-être par Crosdell, de la fouetter maintenant, le capitaine catalan qui trouve de l'espace, il est repris à l'entrée des 22 mètres, il arrive à transmettre tout de même. Est-ce qu'il y a un avantage, un avant volontaire? Pour l'instant il y a un avantage pour les Perpignanais. McIntyre, il n'a pas trop de solution, il va finalement revenir dans le fermé, retrouver du soutien. Degmash avec Alan qui s'est remis en position de 10. De la Fuente qui allonge la passe pour Sobella sur l'aile. Il a un peu de soutien, la Veredamou en soutien. Et ce ballon finalement récupéré par Dulin. Qui va taper loin devant. Et Franck Azema qui réclame sur l'en avant Rochelet. Dire un en avant volontaire, ce qui aurait laissé un avantage plus conséquent pour les Perpignanais. Monsieur l'arbitre a estimé que c'était simple en avant et donc un avantage plus réduit, on va dire. On va avoir De La Fuente qui arrive à transmettre. Et derrière, ben, il y a, on va dire, dans le plaquage, un en avant commis par La Rochelle. Alors, monsieur Rousselet qui va demander la vidéo, visiblement. Notamment sur la situation d'en avant sur les 22 mètres, où il y aurait un probable en avant volontaire du joueur noir. Okay. Arbitrage vidéo, donc, pour vérifier s'il n'y a pas un en avant volontaire sur la situation. Montré par Franck Azema. Ouais. On voit bien, voilà, c'est vrai que D-Line allonge le bras. En avant, en fait, le noir ramène le ballon dans son camp, donc pas d'en avant, on reste sur la touche là-bas. Tout le monde est d'accord? Allez, on repart là-bas. Vous avez entendu monsieur Rousselet qui estime que le troisième ligne Rochelet ramène le ballon dans son camp. Le ballon est ramené dans son camp. Donc pas d'en avant. Et on va revenir donc à la situation précédente, ouais, à savoir une touche. Pour Perpignan. Reprise du temps. Lancé pour Ruiz. Bonne prise de balle. Devant Tonder. Ouais, avantage. Avec une tailleur. Avec un avantage pour Perpignan. Il va falloir en profiter de cet avantage. Degmash qui va chercher le trou peut-être. Et Piquet qui était bien monté. Non participant hors jeu. Il était monté hors jeu visiblement le deuxième ligne Rochelet. Hors jeu sur la touche. Poteau. Première pénalité contre La Rochelle et première occasion pour l'USAP et bien d'ouvrir le compteur. Non participants en touche. Voilà. Les non participants qui anticipent la montée. Donc c'est sur la touche sur qu'il y a un hors-jeu. Ouais, les arrières, ouais. Les trois quarts visiblement sanctionnés par monsieur Rousselet. Et Tommaso Alan, l'arrière italien de Perpignan, qui va pouvoir tenter cette pénalité, débloquer le compteur de l'USAP. Il est à 88% de réussite cette saison, Tommaso Alan. D'accord. Buteur fiable, expérimenté. Cette pénalité, elle passe. 3 points pour l'USAP qui mène donc 3-0 ici à La Rochelle et qui ouvre le score le premier. Les yeux du manager Franck Azema. Et Goreus qui a tapé ce coup de pied de renvoi. Juste à l'entrée des 22 mètres. Et la bonne prise de balle de Galoutier.
Kimmage qui va jouer avec ses arrières derrière McTayer qui va taper loin devant finalement. Oula, peut-être coup de pied reculer, dévissé, rasant. Finalement récupéré, petite partie de ping-pong rugby à laquelle va mettre un terme McTayer en venant trouver cette touche au niveau du centre du terrain. Nouveau lancé pour Sacha Idoumi. Et la bonne prise de balle de Dylan. Le troisième ligne irlandais de La Rochelle qui est le troisième joueur le plus utilisé du top 14. 624 minutes jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il a toujours été titulaire jusqu'à présent cette saison avec La Rochelle. Alors que maintenant le ballon sur l'extérieur avec Noël. Noël qui va essayer de crocheter McTayer. Il avance, l'ailier anglais. Ribaren, il est gêné, il y a un avantage pour La Rochelle. Antonio en pivot avec West. Skelton qui vient rafuter et trouver du soutien avec Favre. Ribaren qui repart au ras du ruck. Sur Rousselet qui a failli siffler mais... Le ballon est toujours pour La Rochelle, alors ça va se poursuivre le jeu. Dulin qui va taper au pied, c'est contré, mais finalement récupéré par Noël. Il a un peu de réussite sur ce coup-là. Jack Noël, il avance toujours. On est maintenant dans les 22 mètres de Perpignan. Les Rochelais toujours qui mettent la marche avant. Antonio bien lancé par Piquet. Fin d'avantage signalé par monsieur l'arbitre. Reuss maintenant avec Tanga. Sortie de balle rapide. Un peu moins sur ce coup-ci. Ribaren, Reuss. Petit coup de la toupie pour esquiver un plaquage. Et West qui a pu transmettre à Dulin, bien pris. Yeri Barren avec Skelton. Maintenant Sclavi, on envoie les gros porteurs Rochelais pour faire du mal à cette défense de Perpignan. Mais pour l'instant ça fonctionne, les Rochelais qui avancent. Et le ballon est enterré d'après monsieur Rousselet. Il sera donc rendu à Perpignan. Non, c'était bon. Bon contest du jaune, ballon à jouable, mais les jaunes. Ah ouais, non, ça avance bon, de 30 mètres. Ouais. Pour moi, c'est bon. On voit Dulin qui s'est fait croquer. On y va, messieurs. Le ballon qui a tout de même pu sortir. Alors on revoit cette action, le ballon qui n'est pas libérable. Bonne mêlée pour Perpignan. Il va falloir la conserver cette mêlée proche de leur ligne. Et une pénalité contre La Rochelle. Non. 3 noirs, clé de bras. Alors cette pénalité, Thomas Soalan qui va pouvoir aller chercher la touche pour donner de l'air à son équipe. Descendez d'un cran s'il vous plaît, merci. On voit cette mêlée gagnée par Perpignan. Allez, petit alignement pour les Perpignanais mais le ballon perdu. Et ça a profité à Ribaren qui peut écarter avec Idoumi maintenant qui est... On est percuté au centre du terrain. Voilà les Rochelais de nouveau dangereux dans le camp de Perpignan avec ce ballon de contre. Favre maintenant, bien repris. Et Barren qui va poursuivre dans le même sens avec Reuss maintenant. Noël, soutenu par Dulin. Dumi encore. La cage n'a lâché. Et Barren qui renverse. Avec Dulin, mais il est bien pris, l'arrière international. Boudehan qui relève maintenant. L'avancée de quelques mètres, troisième ligne. West,
position de 10. Skelton bien pris tout de suite par Galetier. Antonio en percussion. Pour l'instant, la défense de l'USAP tient bon. Reuss avec West qui a pu prolonger au pied. Que signale monsieur l'arbitre. Un en avant, il me semble que peut-être West commet un en avant plus qu'il ne prolonge au pied. Et le lancer pour Ruiz avec bonne prise de balle de Van Tonder. Et maintenant Oviedo en percussion. Non, c'est vous qui l'emmenez, c'est vous qui l'emmenez. Jouez le 9. Degmash qui dégage son camp avec une longue chandelle dans les bras de Leeds qui s'en sort impeccablement. Antonio qui relève ce ballon pour Piquet. Ballon lent pour Eri Barren. Prend son temps le demi de mêlée. Et à son tour, il vient dégager son camp. Montant un ballon haut. Le ciel bien pris par McIntyre avec la pression de Leeds tout de suite. Et à nouveau une pénalité contre La Rochelle. 11 noir plaqueur doit faire l'effort de sortir plus rapidement. C'est Dylan Leeds qui est sanctionné pour ne pas être sorti après avoir plaqué McIntyre. On va revoir cette action. Et là, l'ailier Rochelet, il gêne clairement la sortie de balle. Donc c'est une nouvelle pénalité contre La Rochelle. Ouais, merci. Sur la ligne. Sur la ligne, messieurs. Merci. 3-0 toujours après le premier quart d'heure de jeu. 3-0 pour Perpignan. C'est un bon match pour l'instant. Van Tonder, la bonne prise de balle sur cette touche et le maul qui est amorcé, un petit peu déstructuré ce maul. Degmash écarté sur son capitaine de la Fuente, bien pris, tête de l'espace sur les extérieurs. McIntyre qui rentre sa course finalement. Degmash avec Tulagi qui a percuté West. On renverse maintenant Van Tonder, la petite passe en plus pour Ruiz, et Ruiz il a trouvé un petit trou. Le soutien maintenant à Degmash qui écarte vite ce ballon. Il part dans le même sens finalement. McIntyre qui va écarter finalement. La petite Chistera. Le ballon toujours pour Sobella. Un peu le chaos, mais Perpignan conserve ce ballon. Degmash pour Galetier. Ballon disponible. On renverse avec Véré Damou. Ancien sétiste. McIntyre avec Tulagi. Déposé Idoumi sur ce raffut. Il a pu transmettre avec Alan. Deux contre un peut-être. Crosdale maintenant. Crosdale qui revient à l'intérieur. Il est repris finalement, mais il transmet avec McIntyre. Main-main avec Sawailo. Tulagi. C'est peut-être pas compris, mais c'est pas grave. Ballon gardé par les Catalans. Et une pénalité contre les Perpignanais finalement. Ou un ballon gardé au sol. Plaqué, lâche pas le ballon. C'est ça les gars, bonne énergie. Et là il y a peut-être eu une incompréhension au solo, tu l'as dit, qui était peut-être pas censé être là. Ça vient un peu mettre un grain de sable dans l'engrenage catalan. Et du coup derrière, ben, sur l'attaque, il y a un manque de soutien. On voit la percussion du jeune deuxième ligne. Sur la ligne, s'il vous plaît. 19 ans seulement, on le rappelle. Si à transmettre sur ce coup-là, Alan essaye de fixer Dulin avant de donner, et Crosdale intelligemment qui est revenu à l'intérieur du terrain pour trouver du soutien. On montre de belles choses depuis le début de cette rencontre, les Perpignanais. La touche pour La Rochelle maintenant. Prise de balle contrariée, même ballon perdu pour La Rochelle et donc récupéré par les Catalans. Terminé 9. Degmash qui va prendre son temps et qui va sûrement aller occuper le terrain avec un jeu au pied.
là, qui fait chandelle montée. Elle est très courte cette chandelle. Elle est finalement récupérée avec par Crossdale. Ballon conservé. Degmash avec McIntyre qui va maintenant à son tour jouer au pied, loin devant. Et la bonne couverture de Brice Dulin. Ce qui va relancer l'arrière international. Petit coup de pied par-dessus pour lui-même. Il est gêné finalement récupéré par Veredamou. Veredamou à son tour qui prolonge au pied, mais ce ballon qui sort directement en touche. Invité Veredamou. On le voit ici en ralenti. Et oui, le ballon qui sort directement en touche. Le joueur passé par Nîmes, par Clermont, par Lyon. Qui a aussi fait les belles heures de l'équipe de France à 7. Qui maintenant évolue Perpignan depuis cette saison. Et la bonne prise de balle de Boudet en touche. Ce ballon finalement éjecté, enfin sorti. Lui-même par Tanga. Ribaren qui va jouer au pied, mais il est contré, Ribaren. Et un ballon récupéré par Ceccarelli qui s'échappe sur l'aile. Le pilier italien, Degmash maintenant. C'est un très bon ballon de contre pour les Perpignanais. Veredamou pour relever ce ballon. Tuilagi. Tuilagi qui va charger sur Skelton et il avance. Le champion du monde U20. Oviedo maintenant. Ballon disponible. Clotrian qui a pu donner. Relevé maintenant par Ruiz. Ils sont plus qu'à 5 mètres de l'embut. Et Perpignanais peut-être un grattage. Côté Rochelet, non. Skelton pas récompensé. C'est McIntyre qui appelle derrière. McIntyre qui va donner un intérieur pour Sawailo. Et un en avant Perpignanais. Le ballon sera donc rendu à La Rochelle. C'est dommage, ils se sont peut-être pas compris sur ce retour intérieur de McIntyre pour Sawailo. Alors qu'on revoit Teddy Ribaren, montré par Degmash. Ceccarelli qui tente de s'échapper le long de la ligne de touche, qui arrive à retransmettre intérieur. Magnifique passe. Son demi de mêlée. On revoit Pozzolo Tuilagi face à Skelton. C'est un duel qui peut faire du bruit. Sur ce coup-là, il s'en est bien sorti, le jeune deuxième ligne. Revoilà l'en avant catalan qui rend ce ballon à La Rochelle. Les Rochelais qui s'en sortent bien sur ce coup de pied contré. On y va, messieurs. 20e minute de jeu et c'est toujours Perpignan qui mène pour l'instant ici au stade Marcel de Flandre. 3-0. Allez, messieurs. Pour l'instant, les Rochelais, aucune des deux équipes ne trouve vraiment la solution pour percer la défense adverse. Voici West. Flexion. C'est en numéro 13 pour ce match au centre. Il est plutôt ouvreur d'habitude. Et cette bonne mêlée de La Rochelle, ils vont même gagner une pénalité, les Rochelais, sur cette mêlée. Ça va pouvoir leur permettre d'aller chercher une pénale touche. Il faut savoir que c'est La Rochelle, c'est même la deuxième meilleure équipe du top 14 en termes de pénalité gagnée sur mêlée. Je préfère pas le tenter. Non. On arrive en moyenne à gagner 3 pénalités sur mêlée par match, les Rochelais. Voilà déjà la première pour cette confrontation face à Perpignan. Alors que vous voyez, Jonathan Danty sur le banc. Il y a un banc très solide du côté de La Rochelle. Alors, aux alentours de l'heure de jeu, il va falloir surveiller les possibles rentrées parce que ça peut faire mal. Jaune, descendez s'il vous plaît, et noir, avancez. Les Rochelais qui ont pu se dégager grâce à cette pénale touche et même obtenir le ballon. Et l'alignement encore, ça ne s'est pas compris, mais le ballon est toujours pour La Rochelle avec Tanga qui a été coffré par Sobella. Ballon conservé finalement.
Ibarren pour Skelton. Et près à 2000 avance quand même, le géant australien. Reus maintenant pour West. West, belle passe directe envoyée à Noël. Pas sur nombre, mais il trouve quand même un petit espace pour avancer l'ailier anglais. Idoumi, il rentre sa course. On va jouer derrière maintenant avec Leeds. Pas beaucoup d'espace pour l'ailier sud-africain. Ibarren qui revient sur Sclavi, qui commet un en avant. En avant noir, mais les et l'Argentin qui s'attendait peut-être pas à recevoir ce ballon, qui a commis un en avant. On revoit cet en avant commis par Joël Sclavi. Et le banc de La Rochelle. Ah ouais. Wardy, Danti, Tanga. On y va, messieurs ? Un coup de haut et on garde bien les appuis. Okay. Sam ? Ouais, venez là, c'est bon, c'est bon. Manus ! Allez, stop, Manus ! Allez, ton corps, elle s'en sort ! Allez. Il y a un gros banc du côté de la Rochelle et Ronan O'Gara avec Rémi Thalès. Flexion ! En tribune. Il ne doit peut-être pas être satisfait totalement du début de match de son équipe, mené pour l'instant après 24 minutes de jeu. La grosse poussée de La Rochelle qui va venir gagner un bras cassé sur cette mêlée. Introduction pour Perpignan. Il n'a pas été talonné ce ballon. Et Eric Barren qui joue vite ce ballon avec Cancorier. Cancorier en percussion. Eric Barren avec Skelton. Reus pour Sclavi qui commet à nouveau un en avant. La cage. Et le ballon récupéré par l'USAP. Un avantage pour en avant. Allez, les Perpignanais qui vont chercher sur les extérieurs avec Crosdale maintenant qui peut jouer poussé au pied loin devant. Et la couverture de Dulin qui va être sous pression. Bonne pression mise par De La Fuente et Crosdale. 12 reculés. Et Ibarren qui va repartir avec Skelton. Non, 9. Le ballon est conservé. Même si c'est une sortie de balle lente pour les Rochelais. 9, jouez-le s'il vous plaît. Et le ballon maintenant dégagé par Dulin. Il a trouvé un petit trou, Dulin. Ouh, presque. Est-ce que c'est un 50-22? Dulin, il a trouvé le trou dans la couverture de Perpignan. Ouais, bon, il n'était pas dans ses 22 mètres, Brice Dulin, mais c'est, il a failli aller chercher les 22 mètres adverses. Donc. Le ballon sera tout de même pour Perpignan. Et c'est un très joli coup de pied. On vient de nous gratifier l'arrière. Rochelet. Il a su trouver la faille. Et voilà les Perpignanais qui repartent avec Oviedo. Droit devant, plein centre du terrain. Ça me semble légal. Hein. Nice will, nice will. Non, 5, c'est bon. Degmash qui monte ce ballon bien haut. Bien récupéré par Dulin. Impeccable, il relance l'arrière international français. Ibarren avec Idoumi, Noël. Il y avait une grosse montée perpignanaise, alors il a préféré revenir intérieur. Et maintenant, Ibarren qui poursuit au pied par-dessus. C'est bien couvert par McIntyre. C'est derrière, selon monsieur l'arbitre. Mais l'ouvreur catalan qui doit dégager un peu en catastrophe. Il a quand même trouvé... une touche tout à fait correcte. Au vu de sa situation, on va revoir récupération de balle. Okay, ah, difficile, c'est difficile d'arriver à juger ce ballon qui va quand même derrière les pieds de McIntyre. Ballon en arrière pour monsieur Rousselet. Et la bonne prise de balle maintenant de Boudin avec ce. Ce mot l'amorcé. Premier arrêt. Idoumi qui a le ballon. À
À l'arrière de ce maul. Bien défendu par les Catalans. Il n'y a pas d'avantage pour La Rochelle. Yannick Barène qui prend son temps. On va partir avec des avants, avec Piquet. Favre maintenant dans le dos pour Reus. Reus, la faute de passe, il a peut-être trouvé le trou. L'ouvreur Rochelet, il a réussi à avancer de quelques mètres. Dans la continuité, Yannick Barène qui va relever pour Leeds. Leeds qui prolonge au pied. Favre à la course avec De La Fuente. Il est le plus rapide, Jules Favre. Et le premier essai de La Rochelle. Le voici à la 28e minute de jeu. Superbe action concrétisé par Jules Favre. Le centre Rochelet qui vient inscrire le premier essai de ce match. Alors qu'on va revoir justement Jules Favre qui a donné dans le dos pour Reus. Là, la magnifique fin de passe qui permet à l'ouvreur de trouver le trou. Yannick Barène qui relève rapidement. Et là, Leeds qui amorce un coup de pied rasant dans le dos de la défense. Merci. Favre est le plus rapide. Rapide que De La Fuente. Il arrive à glisser jusque dans l'embut. Jules Favre, lui non plus, n'a pas raté un match depuis le début de la saison. Il vient inscrire ce premier essai sous les yeux. Président Merlin. Voilà les Rochelais qui repassent devant au tableau d'affichage. 5-3 en attendant la transformation. Jeune ouvreur, Hugo Reus. 19 ans, lui aussi champion du monde U20 cet été. Elle n'est pas évidente cette transformation. Et ça passe entre les perches. 7-3 pour La Rochelle. Après cette superbe action. Voilà, on revoit le petit trou trouvé par Hugo Reus. Et c'est lui qui fait reculer toute la défense. Et derrière, ça enchaîne bien avec les trois quarts. Leeds. Passe décisive au pied pour Jules Favre. Centième match de top 14 aujourd'hui pour Jules Favre. Et donc un essai pour fêter cet anniversaire, on va dire, du centième match de top 14 de Jules Favre. Le coup de pied de renvoi tapé par les Catalans et finalement récupéré par Rémi Piquet. Jouez-le, neuf, jouez-le! Et Barène qui relève pour Antonio. Fin d'avantage pour un avant. Plus d'avantage selon monsieur l'arbitre. Et Barène qui doit jouer ce ballon. Qui a monté une chandelle. Et ce ballon, il sort directement en touche. Et malheureusement, les Rochelais étaient en dehors des 22 mètres. Ça va donc ramener les Catalans. Là où a été frappé le coup de pied. Pardon, c'est bon. Sur la ligne jaune. Les Perpignanais qui vont donc récupérer cette touche sur cette erreur de Teddy Yannick Barène. Lancé pour Ruiz. Alignement complet. Le mot l'amorcé. Non, Sobella finalement qui éjecte ce ballon. Degmash. Et Oviedo qui a réussi à trouver le trou en récupérant ce ballon. Attention maintenant pour Sawailo. Il est plaqué le centre de l'USAP à 5 mètres de la ligne. Est-ce qu'il y a eu un grattage? Oui. Le bon grattage. Non, finalement, Jack Noël qui n'est pas récompensé. Il a les mains au sol, selon monsieur Rousselet. Capitaine. Mignatonio qui est appelé par monsieur l'arbitre. Il faut quand même que le 14 reste debout, ok? Je vous demande de la maîtrise dans ces zones de marque. Il a lâché, il a essayé de... Ouais, mais il ne maîtrise pas assez le poids de son corps. Jack Noël, voilà, qui pas correctement contesté ce ballon. Les Perpignanais qui prennent les 3 points. Donc on voit ce ballon à la base cafouillé. Et une grosse montée de La Rochelle. Et finalement, ce cafouillage qui va aller prendre un peu à défaut. C'est Oviedo qui parvient à s'en saisir et à percer. Sawailo, alors qu'on voit le grattage de Noël sanctionné par monsieur Rousselet. Bien sûr, le public rochelais n'est pas d'accord avec cette décision. C'est la décision de monsieur l'arbitre. Et il faut la respecter, bien sûr.
Koumassoualane qui va tenter de réduire l'écart au score. Voilà qui est fait. La Rochelle 7, Perpignan 6. À partir du moment où vous avez une jambe au sol, c'est considéré comme au sol. Voilà les Perpignanais qui reviennent seulement à un point maintenant de La Rochelle. Quelques minutes de la fin de la première période. Les Perpignanais sont dans le match. Degmash qui va sortir ce ballon bien en profondeur. Tous les jaunes. Et les Catalans qui se dégagent. Venant trouver cette touche. S'ils veulent jouer rapidement, vous devez sortir. Au niveau des 30 mètres environ. Oui. Encore un peu plus de 6 minutes à jouer dans ce match. Aux yeux de Teddy Thomas. Suspendu. Cette rencontre suite à son carton rouge. Chaïdoumi, le lancer pour Dylane, mais lancé pas droit. Capitaine. Touche. Lancé pas droit, touche. Et les Perpignanais touche. Qui choisissent de repartir avec une touche. Lancé pour Ruiz, bien pris par Galotier, Degmash sur McIntyre qui joue au pied dans les bras de Jack Nowell. Une relance internationale anglais. Le grattage de Posolo Tulagi qui est récompensé par monsieur l'arbitre. 14 noirs qui lâche pas au sol. Pour cette relance de Jack Nowell, Posolo Tulagi a réussi à venir gratter ce ballon. On va le revoir sur ce ralenti. Il a relâché le plaqué derrière. Il peut mettre les mains. Puis alors là, pour sortir Posolo Tulagi, il faut y aller quand même. Compliqué à sortir le deuxième ligne catalan. Et voilà les Perpignanais de retour dans les 22 mètres de La Rochelle. 5 minutes avant la mi-temps. Passer devant, tableau d'affichage avant de rentrer au vestiaire. Le lancer pour Ruiz. Venir chercher Sobella. Le ballon qui est finalement récupéré par les Rochelais. Il faut prendre son temps pour Iri Barren sortir proprement ce ballon. Mais s'il est dans ses 22 mètres, il peut sortir directement en touche. Barren, voilà. Donc il n'est pas fait, il ne trouve pas la touche. Et McIntyre qui est venu effacer Noël avec ce magnifique crochet. Avantage simple en avant. Avantage pour les Perpignanais. Il y a un en avant Rochelet signalé par monsieur l'arbitre. Avantage sur en avant seulement. Ballon dans les jambes de Galtier, de La Fuente. On revient ici, en avant. Ballon cafouillé. Monsieur l'arbitre qui va revenir à l'en avant. Non, c'est là. Donc une mêlée pour Perpignan. On voit la touche et le bon contre de Paul Boudéan qui est venu gêner cette prise de balle en touche. Ah oui, c'est sur cette action. C'est Cancorier qui commet un en avant en essayant de plaquer Degmash. Alors mêlée introduction pour Perpignan. Pas le secteur qui leur réussit le plus aux Catalans. C'est l'équipe qui, on va dire, conserve le moins de mêlée de ce top 14. Sur leur propre mêlée, ils ont souvent du mal à garder le ballon. Et voilà, justement, ils sont pénalisés, les Catalans, sur leur mêlée. Une pénalité pour La Rochelle. Qui va bien s'en sortir, il va pouvoir dégager son camp. Gros effort du pack Rochelet. Voilà. Goreus qui va pouvoir
qui a trouvé une bonne touche, qui donne de l'air à son équipe. Capitaine Antonio avec Skelton, avec Cancorier. Il y a beaucoup de puissance dans ce pack Rochelet. Bon, c'est pour Idoumi. Bonne prise de balle de Lilay. Et un maul amorcé par La Rochelle. Maul qui part sur le côté. Attention à la touche. Il y a Ibarren qui éjecte avec Favre. Et il est peut-être coffré. Jules Favre, non, plaqué, mais le ballon est disponible. Ibarren avec Antonio. Il renverse la demi-mêlée avec Skelton. Même sens, ouest pour Noël. Bien pris. Skelton maintenant, ils avancent les Rochelais pour le moment. Reuss avec Cancorier qui était attendu. Il a été stoppé immédiatement. Ibarren pour West. Reuss dans le dos, c'est bien fait. Dulin, belle montée de Veredamou qui avait lu cette combinaison. Piquette, bien attendu aussi, là, qui s'est fait renvoyer dans son camp. Sclavi maintenant, très belle défense de Perpignan. Lâchez, et le grattage peut-être de Tchekari Linan. Il doit lâcher ce ballon. Ibarren avec West. Et Dulin, à l'intérieur peut-être il y avait moyen. Il a été repris finalement l'arrière. Antonio qui relève pour Reuss, la feinte à nouveau, et il est coffré par Degmash. Ballon disponible. Skelton encore. Il va mettre son équipe dans l'avancée. Antonio, son tour, qui charge, et Sobella peut-être le grattage. Et oui, Patrick Sobella qui est récompensé. Belle séquence défensive de l'USAP. Lâche pas au sol, bon contest du jaune. Cette percussion de Winnie Antonio, capitaine Rochelet, et le très bon contest de Sobella. Quelques secondes avant la sirène, à la fin de cette première période, et là on revoit le troisième ligne catalan qui gratte ce ballon. Les Catalans qui peuvent donc peut-être avoir une dernière occasion avant de retourner au vestiaire, peut-être d'inscrire des points et de repasser devant au tableau d'affichage. Vous entendez justement cette sirène qui retentit ici au stade Marcel de Flandre. Ruiz au lancer, prise de balle encore compliquée, à nouveau ballon perdu en touche. Troisième touche perdue pour Perpignan cette première période. Et les Rochelais qui ne sortent pas ce ballon, qui veulent continuer à jouer même si la sirène a retenti. West n'a pas réussi à trouver du soutien, mais c'est le Perpignanais qui a ramené le ballon dans son camp. Ballon toujours conservé par La Rochelle. Idoumi en percussion maintenant. Et pénalité. Cancorier qui est sanctionné pour avoir plongé au moment de venir en soutien. Nouvelle pénalité contre La Rochelle. On voit les Rochelais qui tentent de relancer. Et West qui veut passer les bras. C'est Veredamou qui ramène le ballon dans son camp. Qui profite donc à Dylan Leeds. Alors Thomas Soalan. Il choisit les poteaux. C'est la septième pénalité sifflée contre La Rochelle déjà en cette première période. C'est beaucoup tout de même. Et là c'est ce soutien offensif de Judicaël Cancorier qui a été sanctionné. Il est venu plonger, il n'est pas resté sur ses appuis. Donc l'occasion peut-être pour Alan de mettre 3 points de plus. 100% de réussite pour lui pour l'instant. Frapper ce ballon, mais il ne passe pas entre les perches, mais il sort du terrain. C'est donc la fin de cette première période. La Rochelle qui mène d'un petit point seulement, 7-6 sur son terrain. Et une équipe de Perpignan qui n'a pas dit son dernier mot. Noir, c'est bon. Le coup d'envoi qui va être frappé par Thomas Soalan. Voilà, la deuxième période, c'est parti ici à La Rochelle.
Et un premier ballon bien capté par Tawera Carbarlo, juste devant ses 22 mètres. West qui est venu relever ce ballon alors que Wardy donc est entré en jeu, ainsi que Carbarlo à la mêlée. Changement qui a été effectué à la mi-temps côté Rochelet. Carbarlo pour son premier ballon à jouer qui monte cette chandelle. Bien récupéré par Alan. Degmash qui peut écarter sur Ceccarelli. Degmash revient dans le fermé avec McIntyre. Sobella bien pris par Noël. Le grattage peut-être de Cancorier, non. Ruiz plaqué tout de suite par Bourgarit, lui aussi entré en jeu. Retour des vestiaires. Jouez le 9. Degmash qui doit jouer ce ballon comme l'indique monsieur l'arbitre. Voilà qui est fait. Avantage en avant jaune, avantage. Un en avant de Perpignan. Avantage pour La Rochelle et c'est Dulin qui est venu taper bien profond ce ballon. Chandelle amorcée. Un peu profonde peut-être Dulin qui peut saisir du ballon sans trop de pression et qui relance. Et le ballon qui est sorti bien récupéré par Crossdale. Peut-être un contre avancé par Perpignan. Une pénalité contre La Rochelle. Va noir, il faut lâcher clairement. Les Rochelais donc qui attaquent cette deuxième période par une pénalité. Comme ce fut le cas beaucoup en première période. Et Alan qui va donc permettre à son équipe de se mettre quasiment dans les 22 mètres adverses alors qu'on revoit Dulin, la relance de Dulin, ce ballon qui sort du ruck. Crossdale plaqué et en fait voilà Carbarlo qui ne relâche pas Crossdale avant d'essayer de gratter ce ballon. Le lancer pour Ruiz. Van Tonder, mais le lancer qui n'est pas droit. Et cette touche donc qui est perdue par les Perpignanais. Lancer pas droit, mais les Noirs. On a Nogara est descendu de la tribune. Et les Rochelais qui ont choisi de prendre la mêlée. De nombreux changements à la mi-temps. Bourgarit, Wardy. Carbarlo rentré à la mêlée. Donc déjà deux tiers de la première ligne qui étaient changés. Lavo rentré aussi à la place de Piquet. Et Hugo Reus qui est sorti, remplacé par Astoy. Danti rentré à la place de Favre. Beaucoup de changements donc initiés par Ronan O'Gara qui fait rentrer son banc très rapidement dans cette rencontre. Sûrement pas satisfait de la première période de son équipe. Dulin qui a difficilement capté ce ballon en bout de ligne. Carbarlo pour sortir ce ballon maintenant. Lâchez, lâchez. Les Rochelais sont dans les 22 mètres et ils vont pouvoir se dégager avec Astoy de l'extérieur du pied qui va trouver une petite touche voire international français. Alors avec l'entrée de Thomas Lavo du côté de La Rochelle, bien c'est un sauteur privilégié de l'équipe rochelaise qui rentre peut-être pour, comme on le disait, essayer d'améliorer l'alignement. Ici, c'est un lancer pour Ruiz. Bonne prise de balle. Devant de Tonder. Degmash qui peut lancer Sobella. Intérieur pour Veredamou. Bien fait. Voilà le Perpignanais dans les 22 mètres avec Tuilagi maintenant en percussion sur Cancorier. Il avance. Au solo Tuilagi. C'est un maul annoncé par monsieur l'arbitre et donc le ballon dans les mains rochelaises, il va être rendu au Rochelais ce ballon. Très belle défense de Judicael Cancorier et de Jonathan Danti qui ont réussi à coffrer Pozzolo Tuilagi. Vous venez de rentrer, je ne vous ai pas demandé de commentaire. Si le ballon indisponible donc est rendu à La Rochelle. S'il y avait eu faute, il y aurait eu avantage.
C'est un maul qui était annoncé, donc on y va, messieurs. Aucune obligation de relâcher le ballon une fois que tu l'aguis à les genoux au sol. En attendant, Tiki s'illustre tout de suite en défense. Importante cette mêlée pour La Rochelle. Il va falloir qu'elle soit propre. On est proche de l'embut. Flexion. Production pour Pierre Barlow. Il est stable cette mêlée. Pour l'instant, le ballon est disponible. C'est une pénalité contre Perpignan. De mon côté, en travers. Et un qui tire. C'est une satisfaction de La Rochelle dans ce match pour le moment. La mêlée qui domine complètement celle de Perpignan. En comptant la première mi-temps, il y a trois pénalités de suite contre vous, plus un coup de pied franc. Il faut de la discipline dans ce domaine. Okay, ici, le 1 gauche, le 1 qui tire au sol. Et à droite, il est en travers des débuts. De la discipline rapidement. Antoine Astoy qui va pouvoir aller chercher la touche. Faire gagner le précieux mètre à son équipe. Quasiment sur la ligne médiane, donc se lancer pour Bourgarit. Alors qu'il y a du changement côté perpignanais. Avec Lame au talon qui va rentrer. Attends Adrien. Là aussi sans doute pour ajuster la touche perpignanaise. Lame qui fait son entrée. Reprise du temps. Lancé pour Bourgarit, bonne prise de balle de Lavaux justement. Le joueur le plus utilisé en touche par La Rochelle, Thomas Lavaux. Il le montre encore une fois ici. C'est tous les noirs qui vont au sol. Cabarlo, petit coup de pied par-dessus. Il est un peu court, il est finalement récupéré par Véré Damou qui commène en avant. Le ballon relevé par West avec Leeds maintenant. Pierre Barlo qui essaie d'allonger la passe. Il y a clairement. Un en avant commis par un Perpignanais, mais le ballon est toujours pour La Rochelle. Et Barlow qui va finalement renverser dans le grand côté, dans les 22 mètres de Perpignan. Astoy qui va profiter de l'avantage avec ce coup de pied par-dessus. Et ce ballon qu'a fouillé dans l'embut finalement, récupéré par Thomas Soualan. Pénalité ici. Monsieur Rousselet. Qui sanctionne finalement Skelton visiblement. On va repousser un joueur. On voit Astoy qui tente cette passe au pied. McIntyre qui péniblement essaie de transmettre à Alan. Et on voit Skelton qui est venu plaquer McIntyre à retardement. Et c'est donc pour ça qu'il est sanctionné le deuxième ligne australien. C'est une faute. C'est une faute franchement qui peut être évitée. Avec cette faute justement, les Catalans, eh bien, ils peuvent sortir de leur camp. Ils ont un lancé maintenant sur les 40 mètres. Le premier est lancé pour Lame. Bonne prise de Van Tonder. Okay, un bon amorcé, bien défendu. Est-ce qu'il va être coffré ce ballon? Oui. À nouveau, ballon rendu à La Rochelle. Cette fois-ci, le lancé en touché bon côté perpignanais. C'est derrière que ça a été perdu avec ce maul bien défendu par les Rochelais. Ronan O'Gara est préoccupé sur le bord du terrain. Pour l'instant, son équipe mène, mais d'un point seulement. On voit la bonne prise de balle de Van Tonder. Et derrière, c'est Skelton qui est venu s'infiltrer dans le maul. Ballon injouable, indisponible et rendu à La Rochelle. Mêlée introduction pour Carbarlo. C'est le domaine qui réussit à La Rochelle pour le moment.
Une mêlée propre, un ballon. Est-ce qu'il est disponible ce ballon? Sorti par Boudéan. Boudéan qui lance Jonathan Danti. Il avance Jonathan Danti. Pierre Barlow maintenant pour Astoy. Astoy pour West. Bien pris. Yaya West. Pierre Barlow qui renverse sur Skelton. Il trouve de l'avancée les Rochelais. Astoy. Bien joué dans le dos avec Leeds. Il a été bien pris par Sawailo. Et un avantage pour La Rochelle. Cabarlo qui éjecte sur Antonio en pivot avec Bourgaric maintenant. Il entre dans les 22 mètres, le talon de La Rochelle, ballon perdu, arraché, mais il y avait un avantage pour La Rochelle. On revient ici, 16 jaunes, plaquage sans ballon sur le 22 noir. Alors c'est Lam qui est sanctionné pour un plaquage sans ballon sur Jonathan Danti. On va revoir ça. Et oui, là, tout à fait, le talonneur catalan qui vient plaquer Danti sans ballon. Réalité logique. Et les Rochelais qui ne prennent pas les 3 points. Ils vont en touche. Ils vont chercher l'essai, visiblement. Ce qui plaît au public Rochelais ici. La clameur qui commence à monter des tribunes. Situation dangereuse. Pour les Catalans, avec cette touche, bonne prise de balle de Lavaux et le maul qui est amorcé par les Rochelais. Pour l'instant, il est bien défendu ce maul. Bourgaric qui s'extrait. Il est peut-être pris haut, pénalité, oui, sifflé par monsieur l'arbitre. Ce plaquage haut. Arrêt du temps. On va voir ce maul. Et d'abord, dans un premier temps, bien défendu par les Perpignanais. Bourgaric obligé de s'extraire du maul et il est plaqué, il est pris haut. Oviedo qui commet ce plaquage haut. Nouvelle pénalité donc pour La Rochelle. Est-ce qu'ils vont repartir en touche les hommes de Ronan O'Gara? Arrêt du temps. Changement. C'est Ecochard qui fait son entrée côté USAP à la place de Degmash. Tom Ecochard. Cette situation dangereuse avec une touche à 5 mètres pour La Rochelle. Thomas Lavaux, la bonne prise de balle encore une fois. À nouveau un maul amorcé cette fois-ci. Il réussit pour le moment à avancer. Il est bien structuré ce maul et il s'écroule en but. Y a-t-il essai de pénalité? Sifflé par monsieur Rousselet en tout cas. Non, il y a maul écroulé avant. Les Perpignanais qui ont écroulé ce maul et un essai de pénalité pour La Rochelle. Alors qu'on voit justement ce maul, cette bonne prise de Lavaux. Derrière le ballon, on sait même pas où il est. C'était dans les mains de Cancorier. Un essai aurait été probablement marqué. Et c'est ça, dans les mains de Cancorier. Selon monsieur l'arbitre, l'essai aurait été probablement marqué. Les Perpignanais qui écroulent ce maul et donc essai de pénalité. La Rochelle 14, Perpignan 6. Et le deuxième essai des Rochelais qui se trouve maintenant à seulement un essai du bonus offensif. Même un carton jaune qui a été distribué par monsieur Rousselet. Double sanction donc contre les Catalans. Il me semble que c'est Fahasso qui a pris le carton jaune. Alors que le jeu a repris et que le coup de pied de renvoi a été tapé. McIntyre qui demande de la sérénité. Alors ils sont réduits à 14 maintenant, les Perpignanais. Alors compliqué la tâche. Arrêt du temps. Capitaine, changement. Nouveau un arrêt du temps. Et le capitaine, Uini Antonio, qui est remplacé par Georges-Henri Colombe sous les applaudissements du public. Entendez la clameur du public rochelais pour le capitaine.
extrêmement apprécié ici, Winnie Antonio évidemment. Mais les Perpignanais sont maintenant à l'attaque avec Sawailo qui arrive à avancer le centre fidjien. Il est plaqué quasiment sur la touche. Ekochard qui sort ce ballon. Paul Boudon, il doit lâcher, c'est un plaquage. Ekochard maintenant encore pour McIntyre. On part avec Ceccarelli. De la Fuente maintenant, le capitaine Perpignanais. Bien plaqué par Skelton. Ekochard avec l'âme. A failli trouver le trou sur cette course rentrante. Le talonneur. McIntyre. Pour Sawailo, tout de suite découpé par Danti. Et le contre-ruck, est-ce qu'il va être efficace? En tout cas, il est récompensé ce contre-ruck de La Rochelle. Encore une fois, la grosse défense de Jonathan Danti. Très jaune. Qui permet à son équipe d'amorcer un contre-ruck et de récupérer ce ballon. Alors on voit le gros plaquage. Derrière, Noël qui s'est gratté avec Cancorier et Boudehan. Et les Rochelais récompensés. Alors Astoy, il est venu trouver une très bonne touche. Quelques mètres seulement de l'embut de Perpignan. Magnifique touche trouvée depuis la ligne médiane par Antoine Astoy. Et les joueurs de Ronan O'Gara qui passent vraiment la seconde depuis le retour du vestiaire. Ils se montrent de plus en plus pressants. Thomas Lavaux qui récupère ce ballon à nouveau, un mot l'amorcé. Ils vont se rassurer sur les fondamentaux, les Rochelais. Le ballon dans les mains de Bourgarit. Il a du mal à avancer ce mot, alors Carbarlo qui va éjecter sur Danti. Danti en percussion, il est bien pris. Il y a peut-être de l'espace à l'extérieur. Carbarlo, Astoy, Dulin, pas de surnombre, Dulin qui rentre sa course. Ballon toujours disponible. Noël qui repart au ras. Il est pris, il n'y a plus que 5 mètres à faire pour les Rochelais. Carbarlo, il a essayé de partir en filou, peut-être au bord de ce ruck. Il a été repris. Noël à son tour. Il avance, Jacques Noël, comme un avant. Quelques centimètres à franchir seulement. Cancorier. Et non, il n'a pas réussi à avancer. Cancorier. Et le saut de Bourgarit. Le plongeon à la Superman de Pierre Bourgarit pour le troisième essai de La Rochelle. Oh, il a jailli d'un seul coup. Personne ne l'a vu venir, quel saut! Troisième essai, l'essai du bonus pour La Rochelle. On va revoir ce saut de Bourgarit là. Personne ne l'a vu venir, une détente magnifique. Un plongeon. Le Superman Rochelais, voilà qui aplatit le troisième essai de la rencontre. L'essai du bonus pour La Rochelle. Et en un quart d'heure depuis le retour du vestiaire, eh bien les Rochelais, la décision de terrain, c'est vraiment ils ont creusé l'écart. Et je ne vais pas dire qu'ils sont à l'abri, mais avec cette transformation, ça pourrait faire 15 points d'avance. En tout cas, c'est un autre visage que montrent les Rochelais dans cette deuxième période, avec l'apport du banc notamment. Bourgarit, justement, rentré au retour des vestiaires et qui vient marquer ce troisième essai. Astoy, la transformation, elle passe, 21 pour La Rochelle, 6 pour Perpignan. Les Rochelais qui prennent le large grâce à leurs internationaux et à l'entrée du banc. On va revoir ce plongeon de Bourgarit, la belle détente. Bien gainé le talonneur et voilà, qui a-t-il laissé du bonus. Son troisième essai cette saison. Le coup de pied de renvoi tapé bien loin par les Perpignanais. Bien récupéré. Pierre Barlow. Au parc des avants avec Colombe notamment. Il va prendre son temps le demi de mêlée Rochelais pour sortir proprement du camp. Ce ballon, il est très lent à sortir. Compliqué, visiblement. Carbarlo qui éjecte finalement sur Dulin avec son pied gauche.
qui dégage son camp. Perpignan est 15 points de retard et qui sont encore en infériorité numérique pour un peu moins de 4 minutes. Ah, ce carton jaune, il a fait mal. Arrêt du temps, changement. Alors que vous le voyez, changement jaune. D-Lane a été remplacé par Johan Tanga. Et alors là, il y a beaucoup de changements du côté de Perpignan. Alors, on a Tomo Epo qui rentre face au La Boutelée. Roelof qui rentre aussi. Là, il y a 4 joueurs qui font leur entrée côté de l'USAP. Et Rémi Piquet qui revient sur le terrain pour remplacer Skelton. Skelton lui aussi qui sort sous les applaudissements du public rochelais. Et on revient à cette touche pour Perpignan, le bon lancé de Lame. Ce ballon toujours dans le maul, sorti par Ecochard, qui peut donner justement à Tomo Epo pour son premier ballon. Attention à ce grattage de Borgarit, peut-être non. Ecochard sur Galotier maintenant. Et une pénalité pour Perpignan finalement. Dans ce ruck. C'est Georges-Henri Colombe qui est sanctionné. Alors que décide Thomasois là? Il y a une incompréhension visiblement. On va aller chercher la touche évidemment. Il faut qu'ils essaient de revenir au score. Les Perpignanais, il reste 20 minutes dans ce match. C'est rien n'est fait encore, c'est possible de revenir. En marquant un essai, il pourrait retirer le bonus offensif 23, à La Rochelle. Donc évidemment, ils prennent la touche à 5 mètres de l'embut de La Rochelle. Rémi Piquet, 50e match avec La Rochelle aujourd'hui. Et ce lancer qui est perdu, récupéré par les Rochers, par Johan Tanga notamment. Alors Yaya West qui se place en numéro 9. Il va repartir avec Rémi Piquet. Tranquillement, puisque Carbarlo a été consommé dans le ruck précédent. Le voilà, le demi-mêlée, qui va prendre son temps pour sortir calmement au pied. Et voilà qui est fait, avec un ballon bien profond récupéré par Véré Damou. Il avait peut-être le pied en touche, l'ailier perpignanais. Ça sur ce ralenti. Et oui, il est. Quand il récupère le ballon, il a le pied en touche. Le Catalan, alors forcément, ça rend le ballon à La Rochelle. C'est dommage cette erreur. Des erreurs facilement évitables et du coup, ben, ça rend la possession au Rochelais. Ce bon lancer de Borgarit et le ballon dans le môle amorcé par La Rochelle. Premier arrêt. Hein. Non, gardez la ce môle, il avance pour l'instant. Doucement mais sûrement. Avantage, oui. Avantage. Un avantage signalé pour La Rochelle qui va pouvoir peut-être l'exploiter. Utiliser au mieux Leeds maintenant sur l'extérieur avec Dulin. Et encore Noël qui demande de pousser au pied. Et c'est ce qu'il a fait Dulin. Il y a Leeds, il y a Noël à la course. Et finalement, c'est Alan qui a réussi à venir couvrir, à récupérer ce ballon. Voilà les Rochelais à 5 mètres de l'embut de Perpignan. Même si le ballon est catalan. Et attention, finalement, relevé par Cancorier. Et laisser casquette un peu de La Rochelle. Perpignan, comment ce ballon est-il sorti du ruck? Sur cet essai, on était une situation où Perpignan pouvait tenter en tout cas à 5 mètres de l'embut adverse de venir marquer un essai et priver La Rochelle du bonus. Et quelques minutes seulement, voilà les Rochelais qui sécurisent un peu leur bonus avec cet essai. Essai casquette, vraiment un carton jaune qui a fait mal, même si le carton jaune est terminé. Ils ont pris 3 essais sur ce carton jaune, les Perpignanais.
pas de soucis. On va revoir cette action d'Hulin qui a su pousser au pied. Et derrière, Thomas Solan qui subit la pression. Alors là, c'est Tomé Cochard qui a le ballon sous le pied. Et voilà, avec le contre-ruck, et bien finalement ce ballon il sort et Cancorier, il est le premier à jaillir, à se saisir de ce ballon et à venir marquer le quatrième essai. Rochelet. Troisième essai pour cette saison pour Judicaël Cancorier. Comme quoi, un contre-ruck, venir essayer de gêner la sortie de balle adverse, ça peut toujours payer. Alors Astoy, la transformation. Et oui, avec l'aide du poteau, ça passe entre les perches. Voilà les Rochelais qui prennent totalement le large cette fois-ci. Voilà, on revoit l'intelligence, le coup d'œil de Cancorier. Et forcément, Ronan O'Gara qui retrouve le sourire. Il a le bonus en poche. 4 essais à 0 ici au stade Marcel de Flandre. Et La Rochelle qui mène 28 à 6, 22 points d'avance. Ouais, le coup de pied de renvoi qui a été tapé. Et maintenant, Colombe en puissance. Alors normalement, il me semble que le carton jaune Perpignan est revenu. Va noir, jouez-le. Il doit évoluer à 15 contre 15, il me semble. Carbarlo qui monte ce ballon très haut dans le ciel et à la réception impeccable. McIntyre qui arrive à s'en saisir. Lame qui a perdu le ballon, le talonneur à la réception et Bourgarit qui tape droit devant le talonneur Rochelet qui s'improvise ce coup de pied loin devant. Il a vu qu'il n'y avait personne en couverture. Il a permis à son équipe de gagner du terrain même si sous la pression. Alan a réussi à se dégager mais ce ballon n'est pas sorti, exploitable encore pour les Rochelais. Dulin avec son pied gauche qui va taper loin derrière Verredamou en deux temps. Oh, la mauvaise passe de Verredamou mais sans conséquence. McIntyre, Carbarlo qui sécurise en allant au sol et Dulin cette fois-ci qui relance. Il s'est fait fermer la porte là. Dulin, il n'a pas pu trouver ce petit trou pour relancer. Carbarlo avec Wardy. Le grattage peut-être. Non. Astoy maintenant qui monte une chandelle. Dessous il y aura Danti qui ramène le ballon dans son camp. Jonathan Danti. Mais ce sera une pénalité. Percute un joueur sans ballon. Contre La Rochelle, c'est Noël qui est sanctionné. Percute un joueur sans ballon. Percuter un joueur sans ballon, comme l'explique Monsieur Rousselet. Encore un quart d'heure à jouer dans ce match. 28 à 6 pour La Rochelle. Qui a clairement accéléré au retour du vestiaire avec notamment l'apport du banc. Les internationaux qui ont fait beaucoup de bien. On revoit Noël, ça n'a pas l'air d'être intentionnel, mais toujours est-il voilà, qui pousse un Perpignanais. Donc il est logiquement sanctionné. Le lancer pour Lame. Et la bonne prise de balle. Le Perpignanais qui amorce un maul. Et ce ballon qui va peut-être sortir sur face. Oh non! Il faut relâcher, c'est un plaquage, indique monsieur l'arbitre. Voilà les Perpignanais à 5 mètres de l'embut. Avec Sobella maintenant. Il y a du soutien. Colombe qui ne peut pas gratter ce ballon. C'est Trajvili. Faut qu'ils soient patients les Perpignanais. Proche de la ligne. Face au. Il est refoulé par Piquet et Wardy. C'est Trajvili qui relève ce ballon. Hourra! Couchard, sortie de balle lente pour Faso. Colombe qui essaye de gratter. Non. Sortie de balle lente encore. C'est Lame cette fois-ci qui relève le ballon. Et Rolf qui avance. Non, fini. Ballon sorti difficilement par les Perpignanais. Attention, ils arrivent à progresser tout de même avec Vellart.
Un avantage pour Perpignan. 8 noirs, lâche pas. Et Cochard McIntyre qui a peut-être profité de cet avantage. Alan, ou refoulé pour Crosdale. Et voilà, l'avantage ne profite pas. Le joueur est déjà au sol. Pénalité donc contre La Rochelle. Elle a été jouée vite cette pénalité. Et pénalité inversée finalement. Enfin, une pénalité cette fois-ci contre Perpignan. Face au qui conteste et qui prend 10 mètres de plus. Le joueur qui plaque est bon. Le jaune lâche pas au sol. Et après, il y a contestation du 18 jaune. Explication limpide de monsieur l'arbitre. Le plaqueur Rochelet n'était pas hors jeu. Et c'est derrière le Catalan qui n'a pas relâché ce ballon au sol. Le capitaine. Au revoir, c'est Cochard qui joue ce ballon, il se manque un peu son coup de pied. Le joueur lâche pas clairement au sol, le contest est bon, il faut vraiment qu'il se calme. Il est bon celui qui joue, il n'y a pas de problème, vraiment, sincèrement. Ouais, mais il faut qu'il... Merci. Rappel à l'ordre pour Faso. Alors que Colombe est au soin, côté Rochelet. C'est le nez visiblement qui est touché. Faites les soins, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il va pouvoir tenir sa place sur le terrain, Georges-Henri Colombe? Il reste 12 minutes à jouer dans ce match. Et le ballon est rendu au Rochelet sur cette pénalité. Donc ils vont pouvoir gagner du terrain, récupérer la touche derrière. Voilà, c'est les Perpignanais qui sont encore sanctionnés proche de la ligne. Ils se créent des occasions, ils arrivent à se montrer dangereux, à approcher l'embute adverse. Il y a toujours quelque chose voilà, qui vient leur faire perdre le ballon, une maladresse, une incompréhension. Là, c'est Cochard qui essaie de jouer vite la pénalité, qui se manque un peu. Et derrière, il a pas de soutien, donc il est pénalisé. Plus 10 mètres. Oui, mais la pénalité, elle est à 5 mètres, donc plus 10, 15. Venez ici. Reprise. Pour l'instant, La Rochelle, donc avec 4 essais, qui a le bonus offensif en poche, ce serait le premier bonus offensif du Stade Rochelet. Encore faut-il ne pas encaisser 2 essais d'ici la fin du match. Pour le moment, après une première mi-temps compliquée, le contrat est rempli pour les hommes de Ronan O'Gara. Pierre Bourgaret, justement, qui va être relancé de cette touche au centre du terrain. Une nouvelle prise de balle encore de Lavaux. Et puis l'entrée de Bourgaret et de Lavaux. L'alignement Rochelet qui s'est considérablement amélioré, on va dire. Attention, alors là, il y a un joueur qui est touché, un joueur commotionné. Touchez-le pas. C'est Vélart, il me semble, qui reste au sol. Le jeu est arrêté. Alors selon M. Rousselet, il n'y a pas forcément de faute sur cette action. Ce serait un fait de jeu. On revoit l'action. Effectivement, sur le plaquage. Civière. Cyril, il faut demander la civière. Et oui, c'est Lucas Vélart là, qui s'éteint sur le plaquage. Sur Tanga. C'est malheureux, mais il n'y a pas de faute. Voilà, c'est un fait de jeu. Pourtant, la position de Vélart est bonne. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, les soigneurs qui vont s'en occuper, la sécurité civile. Alors, La Rochelle, pour l'instant, on l'a dit tout à l'heure, donc qui a marqué ses 4 essais. Qui donc obtient le bonus offensif pour le moment à 11 minutes de la fin du match, le premier de la saison. Alors est-ce que ce match, s'il continue sur ces bases-là, s'il se termine avec cet écart au score, avec cette performance, pourrait lancer la saison du Stade Rochelet? Peut-être, ça peut être ce premier match qui va leur lancer la saison.
avec des internationaux en forme, avec un Will Skelton de retour. Encore une grosse prestation de Jonathan Danti, de Bourgarit. En parlant de Bourgarit, justement, l'entrée du talonneur, couplée à celle de Thomas Lavaux, a largement enlevé du déchet dans l'alignement Rochelet. Thomas Lavaux, d'ailleurs, c'est le troisième joueur qui prend le plus de ballons en touche dans tout le top 14. C'est vraiment le joueur qui est ciblé du côté de La Rochelle dans l'alignement. Alors que vous voyez les Rochelais qui essaient de rester chaud, de ne pas se refroidir pendant qu'on s'occupe de Lucas Vellart. Et d'ailleurs, c'est Joaquin Oviedo qui est revenu sur le terrain pour remplacer troisième ligne catalan. On espère qu'il va bien justement, Lucas Vellart. Ouais, si Pozzolo, tu l'as guidé à l'écran. Champion du monde du vin, 19 ans seulement. Il a eu sa première licence à Perpignan, justement. Il n'a pas raté un seul match non plus depuis le début de la saison. On va revoir les essais de La Rochelle, notamment le super saut de Pierre Bourgarit, le talonneur. Voilà, façon Superman, le Superman des Charentes. Pierre Bourgarit, le Rochelet, qui jaillit par-dessus le ruck pour inscrire cet essai, le troisième essai de La Rochelle, l'essai du bonus. Magnifique détente de Pierre Bourgarit, international français. Troisième essai pour lui cette saison. Lui qui a disputé 4 matchs de Coupe du Monde. Qui est de retour avec son équipe. On voit à quel point il est influent dans le jeu de La Rochelle. La sortie de Lucas Vellart sous les applaudissements du public rochelais, bien sûr. On y va, messieurs. Applaudissements nourris pour la sortie de Lucas Vellart et le jeu qui va reprendre sur cette mêlée. Le ballon qui sera rendu à La Rochelle puisque le jeu a bien sûr été interrompu pour pouvoir s'occuper du joueur blessé. Reprise du temps. Flexion. Lié. Voilà le jeu qui reprend avec l'introduction pour Carballo sur cette mêlée rochelaise. Carballo qui éjecte maintenant sur Astoy, il a deux solutions, Dulin à l'intérieur, Dulin qui arrive à progresser, il a trouvé le trou, Brice Dulin plaqué dans les 22 mètres de Perpignan, Carballo qui relève pour Boudéan, il progresse Paul Boudéan, c'est relevé maintenant avec Astoy qui éjecte au large avec West, Danti qui recentre sa course, attention ce ballon qui est sorti du ruck, il y a un avantage pour La Rochelle, Bourgarit à nouveau. Carballo qui passe main presque pour Noël. Noël qui a réussi à avancer malgré tout. Il n'y a plus que 10 mètres à faire pour les Rochelais. Favre qui est rentré. Boudéan. Paul Boudéan, il a quasiment été dans le but. Bourgarit qui a à nouveau essayé de relever ce ballon par-dessus le ruck, mais il était plaqué. Lâché, toujours avantage, non ? Il y a toujours un avantage pour les Rochelais. Wardy, Aura qui relève ce ballon. Et c'est de Reda Wardy, le pilier international français qui vient inscrire le cinquième essai de La Rochelle. Le score qui s'alourdit. 33-6 en attendant la transformation. Cinquième essai de La Rochelle. Signé Reda Wardy. On va revoir cette action avec Favre. Et là, la belle avancée de Boudéan qui arrive à rafuter Alan. Derrière Bourgarit qui essaye encore une fois de relever ce ballon. Il est repoussé sur la ligne. Et enfin, c'est toute la puissance de Wardy
bien épaulé par Rémi Piquet qui fait la différence. Tom Ekochard qui malheureusement ne peut pas faire grand chose. Demi de mêlée au bord du ruck. Il est compliqué à arrêter comme ça Wardy. Il a le sourire Ronan O'Gara. Première victoire bonifiée qui se profile pour son équipe. Alors que vous avez vu Brice Dulin sortir du terrain. Et c'est Hugo Reus qui est rentré à nouveau. Alors est-ce que Astoy va passer en 15 lui qui a joué arrière justement la semaine passée. La transformation justement d'Antoine Astoy. Elle passe cette fois-ci une fois de plus. 35 pour La Rochelle, 6 pour Perpignan. Le score qui devient très lourd en cette fin de match. Face au banc Rochelais, les Perpignanais n'arrivent pas à contenir les assauts Rochelais. Adha Wardy qui vient de marquer son premier essai cette saison. International français. Vous sortez. Alors c'est... Qui est au soin? C'est Noël qui va faire sa sortie visiblement. Oui, oui, oui. Remplacé par Leeds. Reprise du temps. Quelques minutes à jouer encore dans ce match. Ce coup de pied de renvoi. Tapé par les Perpignanais. Un peu plus de 7 minutes à jouer. Et plus grand chose à espérer pour Perpignan malheureusement. Même privé de bonus. Ça paraît très 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 compliqué. Alors attendons, c'est Kier Barlow qui a dégagé son camp. Et le public rochelais qui apporte son soutien et qui acclame Ronan O'Gara. Clameur du public rochelais pour l'ancien international irlandais, maintenant entraîneur de l'équipe, Ronan O'Gara. Lui qui avait déclaré il y a quelques semaines peut-être que c'est l'entraîneur qu'il faut changer. Et visiblement, le public n'a pas l'air de cet avis. Et le ballon pour les Perpignanais qui sont refoulés en touche à l'image de Ekochard là, qui s'est fait renvoyer en touche par Paul Boudéan. Et ça s'échauffe un peu justement entre Paul Boudéan et la boutelée sur le bord du terrain. Rien de bien méchant. Arrête du temps. En tout cas, cette fin de match, elle réveille le public rochelais. Jaune en recul. Alors, on voit le gros plaquage de Boudéan. Reculé. Il y a un propulsé Ekochard en touche. Capitaine. Je vais attendre parce que c'est le capitaine aussi. Juste là, il faut garder de la maîtrise. Vos joueurs, ils s'accrochent avec le 8, on garde de la maîtrise. Tabongarit qui a la touché au cou, visiblement. Prévenez-le. Ouais, bien sûr. On reste au jeu. Non, c'est les deux côtés. C'est les deux côtés. On reste juste au jeu. Je veux pas d'accrochage, merci. Rien de grave, on espère pour le talonneur de La Rochelle. Oui, oui. Les deux, mais c'est pas beau, c'est bon, juste je veux pas d'accrochage, c'est ce que j'ai dit, il y a touche pour vous. Voilà un petit rappel à l'ordre de monsieur Rousselet dans ce match. Reprise du temps qui a été propre, pas d'accrochage, donc pas de raison que ça dérape en fin de rencontre. Et se lancer à venir pour Bourgarit. S'effectuer encore une fois sur l'avant, mais cette fois-ci lancer pas droit. Le lancer qui n'est pas droit. Mêlée aux touches. Mêlée. Pierre Bougarit qui s'excuse auprès de ses coéquipiers. C'est son épaule qui visiblement le fait un peu souffrir.
Et donc lancé pas droit, les Perpignanais qui prennent une mêlée. Introduction pour Tom et Cochard. Mêlée était un secteur compliqué pour Perpignan aujourd'hui. Ils vont réussir à s'ajuster cette fois-ci. Pénalisé deux fois, première période. Il est écroulé, mais le ballon est disponible pour Ekochard. La mauvaise passe du demi-mêlée, mais le ballon tout de même pour Alan. Pas de solution, il est obligé de essayer de revenir chercher du soutien. Et les Rochelais qui sont récompensés de ce grattage. 15 jaunes plaqués, lâche pas au sol. C'est Cancorier qui est récompensé visiblement. Alan qui n'a pas... La parole à Chaussol, oui, Cancorier, là, il n'était pas plaqueur. Il est venu directement mettre les mains sur ce ballon. Et derrière Thomas Wallon, Alan qui ne relâche pas. Ils en veulent encore, ces Rochelais. Et peut-être un peu gourmand sur ce coup-là. Astoy qui n'a pas trouvé la touche. Il allait chercher trop loin. Ouh, gros plaquage de Wardy sur Crosdell qui tentait une relance. Et derrière ce ballon, c'est un peu cafouillé, ballon récupéré par Wardy. Très bon ballon pour les Rochelais avec Astoy. Il a tenté d'aller jouer au pied sur l'aile. Ballon finalement récupéré dans la difficulté par Perpignan. Et non, visiblement, un en avant catalan. Donc ce sera une mêlée pour La Rochelle. Action brouillonne quelque peu. Et la relance de Crosdell qui a été stoppée net par un gros plaquage de Reda Wardy. On a marqué là. Allez, messieurs. Qui a permis à la défense rochelaise de prendre le pas sur l'attaque de Perpignan, justement. Derrière, ballon cafouillé. Et voilà une mêlée intéressante pour La Rochelle. Même s'ils mènent 35-6, les Rochelais, ils ont l'air de vouloir enfoncer le clou, marquer, encore marquer, et retrouver du plaisir. Ce début de saison qui a été compliqué. Pratiquement tous les joueurs rochelais qui se trouvent sur la droite du terrain. Il n'y a que Jules Favre qui se trouve côté fermé. Situation intéressante. Cette mêlée n'a pas pu être jouée, il va falloir la refaire. En haut. Ouais, là c'était pas la priorité là. Ouais. On y va, messieurs ? Allez. En place. Cette mêlée qui traîne un peu à se jouer. Allez, Marquis. Plus de 2 minutes à jouer dans ce match. Totalement dominé par La Rochelle en deuxième période. Qui va venir remporter sa première victoire bonifiée de la saison. Peut-être là, voilà, le lancement de leur saison pour les Rochelais à la 9e journée avec cette belle victoire à domicile contre Perpignan. Ce n'est peut-être pas fini d'ailleurs. Le ballon dans les mains de Tanga qui sort côté ouvert pour Astoy. Astoy qui garde, crochet intérieur, il avance, Antoine Astoy. Attention, le ballon relâché. Relâché en avant, signalé par monsieur l'arbitre. S'en sortent bien les Perpignanais parce qu'Antoine Astoy il naviguait dans la défense, il avait mis le bazar un petit peu avec ce crochet intérieur, c'est McIntyre qui est pris derrière Ekochard aussi et il faut le bon retour de Galetier pour venir stopper Astoy et commettre cet en avant. Mêlée pour Perpignan donc. Attention tout de même parce que ça n'a pas été le secteur de jeu dans lequel ils ont été le plus à l'aise depuis le début de la rencontre. Y compris sur leur introduction. On voit la sortie de Lucas Vellart. C'était l'introduction pour Ekochard à 5 mètres de la ligne. Elle est importante cette mêlée des Catalans. Il n'est pas talonné ce ballon.
Et ils gagnent finalement cette mêlée, les Catalans. Pénalité contre La Rochelle. 13e pénalité contre La Rochelle dans cette rencontre. À quelques secondes de la sirène. Vous n'avez pas à me remercier. Est-ce que les Perpignanais vont tenter le tout pour le tout, essayer de remonter le terrain, marquer un essai pour l'honneur. En tout cas, ils vont chercher la touche quasiment sur la ligne médiane. Pour l'un des derniers ballons de ce match. Il est qui s'est relevé. Allez, Paul, finis fort, Paul. Bien, GH. Nogara qui encourage ses joueurs et la sirène qui retentit ici au stade Marcel de Flandre. Et une dernière attaque peut-être pour Perpignan avec Tomo Epo ici. Non, lâché. Et Cochard, ballon disponible pour McIntyre avec Crossdale. Il arrive à avancer, les liens anglais. Non, le grattage de Danty n'est pas bon. La bouteille. Et Cochard qui relève pour l'âme dans le dos pour McIntyre. Il n'y a pas trop de solution face à la grosse défense, la grosse montée rochelaise. Sawailo et maintenant Cochard qui vient donner quasiment main-main avec l'âme. Avantage en avant. Alors il y a un avantage pour en avant des Rochelais. Tomo Epo qui continue de jouer ce ballon. Ils continuent de jouer les Perpignanais, ils ne veulent pas en rester là. McIntyre, oh, l'énorme bouchon de Jonathan Danty sur McIntyre qui lui a fait sauter le ballon des mains. Et l'avantage sur un avant qui ne profite pas. Monsieur Rousselet qui siffle la fin du match sur ce score de 35 à 6. Lourde défaite pour Perpignan et surtout victoire bonifiée pour La Rochelle, la première de la saison à domicile.